notre dynamique SG et mon porte-parole, l'ONG OIDH Amnesty International qui fait beaucoup dans l'ombre, le CIDDH, la FIDOP, Frontline Defender et Novox Côte d'Ivoire de la dynamique petite sœur Yvonne Thomas. Nous ont appuyé sur tous les plans. Que Dieu vous bénisse. Nos remerciements également à tous les leaders de l'opposition, avec à leur tête le président Henri Konan Bédier, qui se sont mobilisés et qui ne nous ont jamais oubliés, ni dans leurs discours, ni dans leurs négociations. Excusez-moi, je vais remonter le texte. Ici, ça ne marche pas. Ok. Nous remercions les guides religieux qui sont connus pour agir efficacement dans l'ombre. Que le Seigneur vous rende vos démarches et vos prières en faveur de tous les prisonniers. Enfin, il est important pour nous de remercier le formidable peuple de Côte d'Ivoire qui, malgré ses souffrances, trouve la force de plaisanter et de garder le sourire. Grâce à vous, nous avons supporté dignement cette épreuve. Nos remerciements vont donc à l'endroit de toutes ces personnes anonymes qui nous ont soutenus moralement, spirituellement et financièrement. Que le Seigneur bénisse abondamment toutes ces bonnes volontés qui ont porté assistance à nos familles. Vous vous êtes mobilisés dans toutes vos couches et nous n'avons pas le droit de vous trahir. Sachez que notre priorité réside dans votre bien-être à travers l'instauration d'un état de droit et une meilleure gouvernance de nos ressources. Pour vous, nous irons jusqu'au bout de ce combat. Qui inclut la libération de tous les prisonniers politiques, le retour sécurisé des exilés et le règlement courageux de certaines questions sensibles, dont la nationalité, l'immigration et la gestion du foncier. Et cela ne peut se faire qu'à travers un dialogue inclusif que nous appelons de tous nos voeux depuis le début de notre lutte pour un état de droit. Nous demandons donc encore une fois ce dialogue inclusif, après la libération de tous les prisonniers politiques et le retour de tous les exilés. Tels que les leaders de l'opposition ont été arrêtés et sont libres, nous souhaitons la libération de tous ceux qui ont exécuté leur mot d'ordre. Donc, après deux mandats sans réconciliation, nous espérons que ce dernier mandat qui a fait tant de victimes, cela sera celui de la vraie réconciliation, sans ruse et sans faux fuyant. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et nous aide à la restauration d'un état de droit. Je vous remercie. Merci. Après donc l'intervention de la présidente, vous avez le micro pour les éventuelles questions. Le nom et l'organe de presse. Marcel Dujuno. Marcel Dujuno. On commence avec Marcel Dujuno de Odas 24. D'accord. Alors, tout en résumant la conférence, j'ai pris en prendre une phase dans son séminaire. Nous irons jusqu'au bout de notre combat. Je voulais en savoir un peu plus sur, après 8 mois de séparation. Merci. Jean-Claude. Vous avez été libéré notamment, déjà,
pouvez nous parler un peu de vos conditions de détention, comment se sont passés ces longs mois de prison, et aujourd'hui, quelle est votre situation judiciaire, si je peux dire, qu'est-ce que vous avez encore reproché aujourd'hui, quelles sont les conditions de votre liberté provisoire, si j'ai bien compris, est-ce que vous avez la place de Bruno Koubia. Bon, madame, avant moi, a parlé d'un sujet que je voulais aborder, les conditions, les termes de la liberté provisoire qui vous a été accordée. Et puis, est-ce que cette liberté provisoire-là vous permet de mener, puisque tout à l'heure vous avez dit que vous allez partir jusqu'au bout. On sait dans notre pays que quand on vous accorde la liberté provisoire, il y a certaines activités que vous ne pouvez pas mener. Est-ce qu'elles ne vont pas vous créer? Merci. Merci vraiment à vous tous d'être là. Nous sommes une organisation de la société civile et notre rôle, c'est de veiller à ce que les principes démocratiques et citoyens soient respectés dans le pays. Quand ce n'est pas respecté, il est de notre devoir de le dénoncer. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait en combattant le troisième mandat qui, malgré tout, s'est fait. Et donc, quand nous disons que nous allons aller jusqu'au bout, c'est tout ce que nous pensons devoir faire pour qu'il y ait un état de droit en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous allons aller jusqu'au bout? La seconde question de M. Jacques Régis. Vous avez été libéré. Notamment. Qu'est-ce que les juges ont décidé? Bon, moi, quand on m'a appelé, on m'a dit que je bénéficiais d'une liberté provisoire. Je leur ai demandé ça veut dire quoi pour moi. Ils m'ont dit que... le lundi, à 10h, j'ai rendez-vous chez le juge pour qu'il me donne plus de détails. Et comme nous tous, nous savons que souvent, il y a des restrictions qui empêchent les gens de communiquer, c'est pour cela que j'ai tenu à faire cette conférence de presse aujourd'hui pour parler à... C'est lundi que nous serons tous le cadre juridique réel. Ou du moins son contenu. Madame Christelle Pierre de TV5B, les conditions de détention. Nous sommes d'abord en c'est dans le système normal. Mais certains témoignent d'avoir et c'est là que
Donc, les conditions de détention, vraiment, c'est une question qui est je ne sais pas comment c'est dans les autres prisons, mais les conditions. On n'avait pas le droit de communiquer. Et quand c'est comme ça, c'est difficile parce que une fois que sont surchargés, on le dénonçait déjà avant notre incarcération, avec l'arrivée de la COVID, le chef de l'État avait promis au troisième mandat et de la désobéissance civile, les prisons sont actuellement surchargées. On en libère. Les conditions ne sont pas bonnes et donc c'est vraiment difficile. L'administration pénitentiaire. Particulière. L'objectif d'emprisonner quelqu'un, hein, c'est de le priver de certaines choses, lui faire aussi de voyez donc dans une cellule il y a donc vous imaginez un peu que ça crée beaucoup. Donc, si vous voulez d'autres prisons, c'est ça qui fait chaud. Mais bien sûr, moi je pense que. Les gens, ils disent une chose et ils font leur contraire. Est-ce que c'est normal que nous, qui sommes de la société civile, qui constituons, on va dire, un arbitre social, on fait le contrôle citoyen de l'action publique, est-ce qu'il serait normal qu'on nous interdise de parler? Bon, si on nous interdit de parler, c'est qu'on n'est plus en démocratie, parce que nous, c'est la parole seulement que nous avons comme moyen d'expression. Et donc, moi, je pense que si on nous interdit nos activités, ça voudra dire que c'est une entrave aussi à notre liberté d'expression. Dans tous les cas, lundi, on sera tous situés sur le contenu de cette liberté provisoire. S'il y a des restrictions, on aura le temps d'en reparler. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas nous empêcher de nous exprimer. Merci. Question. Il ne faut pas de toilette. Je suppose que. Il y a une main. Ok. Allez-y, monsieur. Oui. Avec le Allez.
Une autre main. Bon, allez-y, en attendant que quelqu'un ne soit inscrit. À la suite des mouvements qui ont eu lieu lors de la période électorale, il y a eu des morts, etc. Ils ont été encore pris et mis en prison. Est-ce que vous avez un regret aujourd'hui par rapport à tous ces événements-là? Et puis, ensuite, vu qu'à votre moral, quel message vous le portez aussi? On y va. D'accord. Moi, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Dans toutes les luttes, on laisse des plumes. C'est dommage qu'il y ait eu des morts. Ce n'était pas l'objectif. Personnellement, on avait lancé un appel à des marches pacifiques. Et je ne pense pas que des marcheurs puissent s'auto-agresser. Nos marcheurs ont été agressés. Par qui? Ça, c'est la justice qui peut nous dire. Dans tous les cas, le regret qu'il y a, c'est un peu, comment on va dire, le manque de solidarité entre tous ceux qui défendent la même cause. Mais comme ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, je n'en dirai pas plus, mais il n'y a pas de regret à avoir. Quand on lutte, on fait le bilan. Et puis, on recharge ses batteries pour avancer. Donc, notre morale, il est très haut. Il est très haut. Et notre expérience à la MACA nous a donné encore d'autres sujets de lutte. On va dire d'autres objets de lutte. Et parce qu'il y a, beaucoup d'injustices dans le système judiciaire. Et c'est quand vous êtes incarcéré que vous entendez beaucoup de choses, vous voyez beaucoup de choses. Donc nous sommes au contraire gaillardis et nous pensons qu'aucune expérience n'est vaine. L'incarcération a été formatrice. Ça nous donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres raisons de lutter. Et donc on va continuer de défendre les droits des Ivoiriens. Un message aux Ivoiriens. Ce qu'on veut dire aux Ivoiriens, c'est qu'il faut que les Ivoiriens réalisent la nécessité de se mettre ensemble pour lutter pour un état de droit. C'est l'état de droit qui garantit de façon effective la démocratie. Et si les gens sont toujours dans le suivisme, dans le fanatisme, on ne va pas arriver à grand-chose. Il faut que les gens se détachent de certaines décisions politiques pour les analyser en tant que citoyens et prendre leurs responsabilités dans le sens qui arrange tout le monde. Si chacun se met dans cet esprit-là, je pense qu'on aura un peuple responsable et les politiciens qui sont véreux, je ne dis pas que tous les politiciens sont véreux, ceux des politiciens qui sont véreux n'auront plus de terrain fertile pour emmener le peuple à faire des choses qui ne vont pas dans le sens de la réelle démocratie, dans le sens des intérêts du peuple lui-même. Donc, nous voulons demander aux Ivoiriens de se mettre vraiment dans un esprit beaucoup plus responsable parce que notre pays a beaucoup de problèmes. Vous voyez la souffrance des gens. Il ne faut pas, indexer ceux qui se permettent de lutter comme forcément des opposants. Nous ne luttons pas contre une personne, nous luttons contre un système. Et ce système-là, s'il a des défaillances, il est de notre devoir de le relever. Donc il faut que chacun se mette dans cette peau-là, parce que c'est dans notre intérêt à tous qu'on arrive vraiment à construire cet état de droit-là. Et nous comptons vraiment sur chacun pour faire un vrai bilan à leur niveau, à chacun à son niveau personnel, afin de s'engager davantage dans la défense des droits de l'homme, dans la défense de l'état de droit, dans le soutien des organisations comme les nôtres qui luttent pour le bien-être du peuple. Merci. Merci. Il n'y a pas de dernière question. Ok. Oui, pardon? AFP. 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 Je voulais savoir le nombre de personnes
de personnes libérées. Il faut déjà connaître le nom de personnes incarcérées. Bon, en fait, le nombre total de... Il y a plus de 400 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la désobéissance civile. Mais comme les libérations se font de façon décousue, et puis ce n'est pas vraiment transparent, on n'a pas le point précis des libérations. Parce que parfois, vous êtes là, on dit on a libéré 5, on a libéré 10. Bon, on n'a pas toujours les moyens de vérifier, mais on doit être autour de 130 personnes à l'heure actuelle. S'il n'y a plus de questions, madame la présidente, on va déclarer la conférence. Très bon, c'est fini. Plus de questions. D'accord. Ok. Bon, le mot de fin, c'est vraiment de remercier. Que l'opinion soit éclairée. Donc, on voudrait vraiment vous dire merci. On voudrait aussi adresser toutes nos condoléances aux parents de tous ceux qui sont tombés dans le cadre des différentes manifestations. Vraiment, toute notre compassion et aux blessés également. Et on voudrait aussi remercier encore une fois tous ceux qui se sont mobilisés pour nous soutenir, que ce soit en Côte d'Ivoire, comme ailleurs dans le monde, dans la diaspora, que vraiment Dieu vous bénisse, votre soutien apporté. Aujourd'hui, nous sommes libérés et comme on le dit, la lutte continue. Je vous remercie.